Bien, professeur, on a perdu une belle chance de s'en débarrasser une fois pour toutes. Vous auriez pu les laisser sur la planète. Vous en causez tellement d'ennuis depuis le début que... Eh, c'était un moyen de s'en débarrasser, Luc, mais un moyen barbare. Les gens civilisés n'agissent pas ainsi. Si vous croyez qu'ils auraient hésité, eux, professeur, vous vous trompez. Je ne crois rien et je ne veux rien croire, Luc. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que nous, étant civilisés, nous ne pouvions pas faire la même chose. C'est là toute la différence. Et puis d'ailleurs, il n'y a aucun danger maintenant, Luc. Hein? Ils sont tétanosés tous les deux, et puis qu'est-ce qu'ils peuvent contre nous dans cet état, hein? En tout cas, je persiste à croire qu'on a tort d'être civilisés avec des gens pareils. Moi. Mais voyons, Luc, ne sont-ils pas désarmés? Alors? Attention, la voilà qui reprend connaissance. Restez où vous êtes, Tanagra, ne bougez pas. Qu'est-ce que ça signifie? C'est assez étonnant, n'est-ce pas? Vous ne vous y retrouvez plus. Que s'est-il passé? Les rôles sont renversés, tout simplement. Commencez-vous à comprendre? Comment se fait-il que vous soyez tous ici? Alors que vous fuyez avec la fusée, grâce à Luc et Luce, j'ai pu retrouver ma personnalité. Je n'ai plus eu qu'à vous tétanoser et à venir sauver Luc, Luce, Sextus et Célamar. Mais la planète? Si elle n'a pas encore sauté, cela ne tardera pas. Encore, hein? Ça n'a pas l'air de vous réjouir, Tanagra. Pour une devette, c'en est une double. Non seulement elle est prisonnière, mais encore elle se rend compte que même si elle nous avait abandonnés sur la planète, nous nous en serions tirés quand même. Mais cette fois, vous ne vous en tirerez pas si bon compte. Stoff! Eh oui, Rostov. Les mains en l'air, que personne ne bouge. Madame. Mes félicitations, Rostov, vous savez intervenir au bon moment. Et alors, messieurs? Laissons cela, Rostov. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est un ordre. Et alors? Vous repartiez vers la Terre? Sans rien emporter? Nous n'avons besoin de rien. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui pouvait nous intéresser sur cette planète qui a failli sauter, hein? Rien. Sauf la peau devenue trop petite de Caius et d'Altar. Croyez-vous pouvoir la leur rendre normale sur la Terre? Et pourquoi pas, s'il vous plaît? Pourquoi pas? Oui, après tout, c'est votre affaire, professeur Narton. Si vous croyez pouvoir réussir. Il est vrai que nous devrions examiner l'affaire d'un peu plus près, professeur. Et ne vous laissez pas prendre, Sextus. C'est un piège. Un piège? Oh, il me semblait vous avoir prouvé ma bonne volonté, Luc. Oui. Il est vrai qu'il serait fou d'abandonner délibérément le fruit de toutes vos recherches, toutes vos découvertes, Tanagra. Pensez-y à deux fois, professeur. Mais pensez à Caius et Altar, c'est la mort. Si je pouvais, en guise de loyauté, vous offrir mes services. Oui, après tout, vous m'avez sauvé la vie. Nous verrons cela. C'est à vous de décider, professeur. Si vous jugez la chose importante, nous vous suivons. Allons-y. Toi, Luc, au virement de Tanagra? Pas une miette, Luce. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut surveiller Tanagra et Rostov. Et discrètement, Luce, puisque le professeur Narton maintenant s'est fait prendre au piège. Oui, mais ce qui est étonnant, Luc, c'est qu'elle ait empêché Rostov de nous tétanoser. Mais non, Rostov ne pouvait tétanoser une personne à la fois, ou deux. Sans ça, il prenait la chance de voir les autres réagir. Et justement, il ne voulait pas prendre cette chance. Mais quoi, moi, Luce? Il faut les surveiller. Pas prendre le risque de se faire prendre encore une fois.
Tout danger d'explosion semble écarté, professeur. Oh, croyez en mon expérience. Ces cataclysmes sont assez fréquents sur ces planètes. Eh bien, tant mieux. Mais alors, on descend. Allons d'abord au palais. Nous emportons Caius et Altar. Évidemment. Comme jouer un tour, elle se trompe. Ayons l'œil ouvert. Vous y êtes, professeur? Je vous suis. Non, mais non, peu importe, mais si on trouvera une raison. Ce qui importe pour l'instant, c'est de se tenir à l'écart de Tanagra quand est en train quelque chose contre le professeur Marton et les autres. Parce que moi, je suis convaincu qu'il va essayer quelque chose, Luce. Oui, mais si on lui échappe, Luc, hein? Alors qu'est-ce qu'on fera seul, sans armes? Luce, regarde. J'aime mieux ça. Allez, faut pas les perdre de vue. Auquel je m'étais allié au hasard d'une rencontre. Il avait mis au point un procédé semblable au vôtre. Et avait réussi à prendre le succès. Et tiens, les voilà, Luce. Et Tanagra. Attendez ici, Luce, explique-leur. Moi, je cours à la fusée, t'as compris? Non, Luc! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Tanagra! Hein? Mais où est-elle? La fusée! Vite, Luc, il est déjà venu! Si moi, je l'avais touché, mais non! Je l'ai raté encore une fois. Où est-il? Professeur, j'ai eu le temps de le voir disparaître, mais je l'ai raté. Vernet, une fois encore. Oh, professeur, je vous avais dit que c'était un piège. Ah, elle était pourtant à mes côtés. Nous aurions dû être plus prudents, professeur. C'est pas le moment de discuter. Et Roustov? Ah, échappé lui aussi, évidemment. Nous avons été roulés des deux côtés à la fois. Et maintenant, nous sommes pris entre deux feux. Ben, essayons d'en sortir, maintenant. Si nous pouvions sauter la fusée, qu'en pensez-vous? Faire sauter, mais enfin, quoi pensez-vous? C'est la mort. La faire sauter avec quoi, tonnerre de tonnerre? Le laboratoire, professeur. Quoi, le laboratoire? Eh oui, le laboratoire, allez, venez vite. Rastignette, c'est bien joué. Il me suffit maintenant de leur résister d'ici jusqu'à ce que Tanagra vienne me rechercher. Voyons où elle en est. «
Nous pourrions peut-être la bombarder du laboratoire, professeur. Sextus, Talumen ne peut pas être bombardé efficacement. Je l'ai équipé pour résister à n'importe quelle arme. Allons au laboratoire, nous y trouverons peut-être une solution. Il est inutile de rester ici parmi ces rochers à demi calcinés. Oui. Professeur, elle revient. Attention. Oh. Mais elle est devenue folle. Mais elle va me l'abîmer. Mais remontez dans. Deuxième manette à gauche. Plein gaz. Ma fusée. 20 ans de travail, elle va me la démolir. Professeur Marteau, Tanagra du diable. Comment vous sentez-vous? Elle va me démolir ma fusée. Venez. Ma fusée. Et la voilà qui revient. Pas le laisser. Non. Elle a failli nous avoir, hein. Nous avons juste le temps d'aller au palais de Tanagra avant qu'elle ne revienne. Venez! Pourquoi ne me répond-elle pas? Ça fait 10 minutes que je l'appelle. Allô, Lalumen? Allô, Lalumen? Qu'est-ce que ça signifie? Je suis pourtant sur la bonne longueur d'onde. Non! Non, ce n'est pas possible! Non, quelle idée! Elle ne peut pas m'abandonner. Non, ce n'est pas possible! Allô? Princesse Tanagra, répondez, princesse! Ici Roustov! Ici Roustov! Allons, la fusée! Chut! Venez, venez. Elle renonce à nous poursuivre. Oui, nous sommes à l'abri maintenant. Oh, j'en doute, professeur. Elle va essayer de rejoindre Roustov. Mais maintenant qu'elle croit nous avoir exterminés. Oui, mais elle est partie, elle s'est éloignée dans le ciel, non, c'est mais la non, main. Mais non, le, c'est une manœuvre d'atterrissage. Peu importe ce qu'elle fait maintenant. Nous allons d'abord nous occuper de Roustov, et nous réglerons le compte de Tanagra après. M'abandonner ainsi. Elle m'a déjà sauvé une fois. Elle doit préparer quelque chose. Mais elle reviendra. Elle doit savoir que Narton et les autres sont sur le point de m'attaquer. Elle va revenir. Essayons encore une fois. Allô, Lalumen! Allô, Lalumen! Il doit s'être réfugié dans le palais. Alors dans ce cas, je vais y aller, professeur. Il faut en finir une fois pour toutes avec lui, avant que Tanagra ne revienne. Hey. Passe-moi ton tétanoseur, Luc. Soyez prudent, Sextus. Ne prenez pas de chance. N'ayez crainte, pas de danger. Et c'est notre seule arme que vous tenez là, Sextus. Je sais, Luce. Mais je ne prendrai aucune chance inutile. Mais vous, mettez-vous bien à l'abri, hein? Bonne Allez. Chance, Sextus. Merci, Luce. À nous deux, Roustov. Il faut que je bloque cette porte. Tant que je serai ici, je suis à l'abri. Personne.
parti avec Tanagra. À moins que... Si j'avais un tétanos... Sextus s'est fait pincer. Voilà sans armes, professeur. On va lui souffler dessus, frère. Quatre, il me semble que nous pourrions le maîtriser. Malgré son tétanoseur, qu'en pensez-vous? Alors essayez. Vous deux restez de ce côté-là de la porte. Oui. Nous ici. À mon signal, nous faisons du bruit pour l'attirer dehors. Aussitôt qu'il passe la tête, ceux qui se trouvent derrière lui sautent dessus et les autres viennent les aider. D'accord? D'accord. Attention à mon signal. Allons-y! Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Essayez de rentrer, professeur. C'est ça pour te faire descendre comme Sextus. Il faut parvenir à le faire sortir. La porte est bloquée de l'intérieur. Écoutez, professeur, il y a sûrement un moyen de le faire sortir de là. Et si nous l'enfumions? Oui, évidemment, ce serait une bonne idée, mais... où allions-nous chercher le gaz pour le faire sortir? Ça nous prendrait un laboratoire pour le fabriquer. Il faut trouver autre chose. Souffre. Du soufre? Ici? Oui, le volcan doit en avoir craché plus qu'il n'en faut pour le faire sortir. N'est-ce pas ça? Oh! Allez voir. Oui, c'est exactement cela. Alors c'est ça que vous cherchiez? Mais oui, de la fleur de soufre. Où l'avez-vous trouvé? Là-bas, à deux pas, sur le bord d'un petit cratère. Bon, parfait. Eh bien maintenant, suivez-moi. Il sortira, le Roustov, poids de Narton. Allez! Les gars.
passer encore une fois. Il n'y a pourtant pas d'autre porte. Derrière cette enclume. Mais qu'est-ce que vous faites? Luc, ici, une porte. Ah, il est sûrement passé par là. Ah, laissez les enfants. L'important pour l'instant, c'est que nous soyons dans le laboratoire. Nous allons nous occuper de Caillard, de Caillus et d'Altar. Et trouver un moyen pour sortir et pour quitter cette planète maudite. Oui, mais j'espère que vous allez laisser se débrouiller tout seul, le Roustov, cette fois. Oui, vous pouvez être tranquille. Vous ne croyez pas qu'il serait plus prudent de savoir où il est, au cas où il préparait une offensive? Nous n'allons pas tarder à le retrouver avec le téléradar. Le voilà! Alors, on le poursuit, professeur. Oui. Je peux m'en occuper avec Sextus. Et vous, vous essayez de rendre la vie et leur forme normale à nos deux petites marionnettes. Excellente idée, c'est Lamar. Allez-y! Oui, mais revenez vite, hein. Oui. C'est Lamar. Bon, Gustave, hein. Vous venez, c'est Lamar. Je vous suis. Et notre fusée, professeur? Ah oui, Dieu sait ce que cet tanagra du diable en a fait. Mais pour le moment, le problème n'est pas là. Il faut s'occuper des Caillus et d'Altar. Essayer de leur rendre leur forme première. Ce sera facile, professeur, puisque nous y sommes arrivés nous-mêmes. Oui, évidemment. Avec cette différence que Caillus et Altar paraissent morts. Je me demande jusqu'à quel point ces instruments vont les transformer. Professeur, j'y pense. On pourrait peut-être essayer sur Rostov. Ah oui? Eh oui! C'est la mort, nous allons nous séparer. Vous à gauche et moi à droite. D'accord. Et n'hésitez pas. Pas de pitié. Il vaut mieux que vous tiriez la première. Ne craignez rien. Je ne la raterai pas. Si mes calculs sont justes, ils doivent être en ce moment réunis dans le laboratoire et fêter ma défaite. Je m'en vais les prendre par surprise. Donc, peut-il être passé? Et c'est la marée Sextus, professeur. Où sont-ils, hein? Nous allons essayer de les retrouver. C'est Lamar. Tiens, Sextus. Sextus. Oui. Ah ben, ils n'ont pas l'air de l'avoir repéré non plus. Ils sont encore occupés à le chercher. Bizarre. Et s'il allait revenir et nous tomber dessus à l'improviste? Ici, Luce, mais voyons. Mais puisque nous sommes ici, Luc, oui. Non, Luce, il nous a quand même parvenu. Croyez-moi, professeur, je pense qu'on sera aussi bien de se méfier. Et puis d'ailleurs, moi, je vais fermer cette porte. Et Luce! 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 Ici, professeur! Ici! Oh là, c'est moi! Sextus! Mais Roustav? Roustav, là! Ah, ben la journée finit mieux qu'elle n'a commencé, hein, Luc? Oui. Excepté pour Luce. Donne-moi un coup de main, Luc. On va la coucher là-bas sur les coussins.
Et Roustan, qu'est-ce qu'on en fait, professeur? Donnez-moi un coup de main, Sextus. On va s'occuper de lui. Avec plaisir. Le plus tôt sera le mieux.